Mbote na bino nyonso, ngai Joyce Bonoa. Landa Congo dialogue po yemba nyonso ya Congo. Merci beaucoup. Pendu en France, nous partons donc à Amsterdam avec Olivier Gangloff pour une petite démonstration privée de fraude électorale. These machines weigh 28 kilograms. 28 kilos, c'est le poids d'une machine à voter de la marque Nedap. Rop en a acheté deux exemplaires à une municipalité hollandaise pour 4000 euros la paire. Il est informaticien et convaincu que le vote électronique est une menace pour la démocratie. Il a donc décidé de montrer que le système est piratable. There we go. That's the machine. Devant nous, avec un simple tournevis, il ouvre la machine, retire une puce électronique qu'il remplace par une autre, identique en apparence, mais qu'il a programmée lui-même. Craquer le code de fonctionnement lui a pris un mois de travail, mais désormais, il est opérationnel, il peut pirater n'importe quel ordinateur de vote NEDAP en moins de 2 minutes. Vous les remplacez avec vos propres puces, ce sont des puces qui ne coûtent pas grand-chose et qui sont faciles à programmer. Let's go play democracy. Allez, on va jouer à la démocratie maintenant. Let's vote for the parties. Je vais voter pour le parti 1, 2, 3 et 4. Rop accomplit maintenant son devoir de citoyen. Pour les besoins de la démonstration, il vote plusieurs fois pour différents candidats, sans donner une seule voix au cinquième qu'il a intitulé le parti de la fraude. Là, je clôture l'élection en appuyant sur ce bouton et en tournant cette clé. De l'autre côté de la machine, il y a une imprimante. Elle permet de sortir les résultats officiels. Normalement, c'est beaucoup plus long car il y a beaucoup plus de votants. Et voilà le document officiel. À partir de ce document officiel, il procède rapidement au dépouillement du scrutin. Le parti du PVDA a 3 voix, nous lui en avions pourtant donné 4. Et le grand gagnant de cette élection est le parti de la fraude avec 5 voix. Alors que Rop n'a jamais appuyé sur le bouton correspondant à ce parti. Le bureau de vote va penser que tout est régulier, normal, que tout a fonctionné. Il n'y a rien de louche. C'est une élection complètement légale et légitime, en dehors du fait que tout est faux. Depuis que cette démonstration a été médiatisée en Hollande, la société NEDAP a fait installer des scellés sur ses machines pour empêcher l'accès au circuit électronique à des personnes non autorisées. Mais pour cet informaticien militant, ça ne change rien au fond de l'affaire. Cette fraude indétectable peut venir de l'intérieur. Les gens de NEDAP ou les importateurs en France, par exemple, ils ont accès à ces machines en permanence. Ils changent régulièrement les puces pour actualiser les logiciels nouvelles versions. Aux Pays-Bas, suite. Je n'ai pas.